Le groupe Rabot du Tilleul, c'est un groupe maintenant bientôt quasi centenaire, basé historiquement dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais qui depuis est implanté partout en Europe. C'est un groupe de 1800 personnes, basé autour de trois principaux pôles. Un pôle promotion, un pôle construction et un pôle maintenance. Donc on recherche aussi bien des gens sur les pôles de promotion, sur les pôles de responsables de programme ou de chargés de développement. Donc là où on a un maillage qui est quasi national. Des postes en construction sur des postes de conducteurs de travaux. Donc là, on a, nous, dans notre maillage, sur la région Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, la Champagne, d'Aisne, pardon, et la Lorraine. Et aussi des postes à l'international, puisqu'on a des structures et des sociétés en Belgique, en Pologne et en République tchèque. Et après, des postes sur la maintenance, avec des postes de chargés d'affaires. Ce sont un peu des conducteurs de travaux sur des profils maintenance. Et en même temps, des techniciens de site, des profils compagnons pour aller sur les chantiers. Des profils après de techniciens, d'agents de maîtrise, et en même temps des profils cadres, donc de gens qui sortent d'école d'ingénieur, de master 2, d'université. Alors en proportion de jeunes diplômés, on souhaite atteindre des objectifs de recrutement. Ce serait de recruter 30% des gens qui ont fait des stages chez nous. On a en apprentissage donc des gens qui sont en contrat de professionnalisation ou en apprentissage, donc en alternance, environ entre 30 et 40 personnes. Nous comptons recruter cette année 150 stagiaires, dont les deux tiers, trois quarts pour le pôle construction. Donc des gens qui viennent aussi bien de cursus type bac pro jusqu'au cursus d'ingénieur, voire docteur. Donc des gens généralement pour accompagner la construction de nos ouvrages, qui peuvent être aussi bien des ouvrages donc, de type centre hospitalier, centres commerciaux, des logements, des établissements recevant du public, des lycées, des collèges, etc. Les profils types sont des gens qui sortent d'école d'ingénieur, d'université ou aussi bien de BTS ou de DUT, et puis aussi des gens sur des métiers de compagnons, des compagnons qui sont quand même nos recrutements en termes quantitativement les plus forts, des gens qui sortent de bac pro ou de bac sur des métiers gros œuvres, construction gros œuvres. Alors les conseils, ils sont très simples, hein, les conseils. Justement, on demande d'arriver avec toute leur simplicité, leur honnêteté, leur franchise, d'exprimer clairement les choses. Moi, j'ai l'habitude de dire, par exemple, sur les courriers, d'être court, clair, concis, la règle des 3 C. Et puis en entretien, d'être eux-mêmes, d'être sincères. On demande aux gens d'avoir, après, je dirais, un état d'esprit qui fait qu'ils souhaitent intégrer notre groupe, qui est un groupe familial attaché à des valeurs humaines très fortes. Et on souhaite justement garder cette petite valeur ajoutée. Donc les conseils sont très très simples. Donc c'est d'être travailleur, d'être honnête, d'être intègre, d'être solidaire et d'avoir un esprit volontaire, d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur de faire des bêtises, parce que qui dit faire des bêtises dit déjà faire, et pour nous c'est primordial.